Non, Maya Archange, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc ça va être une vidéo astuce et tutoriel entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment un tutoriel, c'est surtout un deck que j'utilise tout le temps, ladder. Et je pense que si vous l'utilisez bien, mon deck, je pense que vous allez apprécier. Donc je vais vous présenter mon deck. Donc voilà, si. Donc on dirait comme ça, on dirait que c'est un deck un peu bizarre, on va dire en soi. Mais en vrai, il a des capacités plutôt remarquables. Parce que, bon, déjà, on a plusieurs cartes offensives, telles que la princesse et le mineur, qui sont très très puissants. Et après, vous avez le poison qui peut contrer facilement les sorciers, sorcières, tout ce qui est à petit point de vie, on va dire comme ça. Petit, enfin, à faible point de vie, ou à moyen. Enfin, à un point de vie un peu intermédiaire, on va dire comme mousquetaire, sorcier, tout ça. Les squelettes et gobelins, tout ça sont aussi compris. C'est contrairement à la boule de feu, où vous pouvez pas one shot. Enfin, vous pouvez pas le tuer à l'instantané. Enfin, vous pouvez pas tuer s'il est du même niveau, une mousquetaire ou une sorcière. Enfin, un sorcier plutôt. Etc. Bon, tout ce qui est plutôt mage. Mage au tir à distance. Mis à part l'archer magique. Mais le poison, contrairement à lui, il fait beaucoup plus de dégâts pour même l'élixir. Et en plus, ça, il peut rester pendant 8 secondes. Donc, c'est pour ça que je préfère. Les chauves-souris avec le mineur, c'est une très très bonne synergie. Ou sinon, vous pouvez tanker avec une mousquetaire de temps en temps si vous n'avez pas de mineur encore. Et ça peut temporiser. Et. Enfin voilà, vous pouvez aller voir. L'armée de squelettes ici, le canon qui est bien pour la défense quand vous avez un cochon qui arrive, etc. Enfin tout ce qui est système de défense comme GR, etc. Et électro-sorcier pour contrer au cas où. C'est vraiment le dernier recours. Donc si ça commence à contrer avec une princesse, vous pouvez mettre l'électro-sorcier, vous contrez rapidement. Ou même quand vous avez une horde de gargouilles, vous pouvez mettre l'électro-sorcier ou un kamikaze. Ou si vous pouvez mettre la princesse bien sûr, ou mousquetaire s'ils sont à un niveau inférieur à votre ce que vous l'avez. Donc ça, là oui, on peut utiliser l'électro sorcier dans ce domaine-là. Ou sinon pour ralentir un ballon, etc. Enfin, du coup, le point fort de ce deck, c'est vraiment tout ce qui est lent, on va dire comme ça, tous les decks lents, notamment le ballon et tout ce qui est. Ouais. Très très lent, ça. Et tout ce qui est cible unique aussi, très puissant. Donc c'est-à-dire, vu que là on a des chauves-souris et tout ça, donc ça devrait le faire. Donc là on a envie du trône. C'est parti. Allez, on est super vite. Mais c'est sur un niveau. On a deux mineurs. Et puis sorcier. Un sorcier de favorable. Voilà, un petit peu clair. Exactement. En fait, je suis même pas obligé de défendre finalement. Je suis même pas obligé. Ouais, j'en prends un peu clair. Ah, on doit être sur ça. On va faire un peu de défendre. C'est pas drôle celui-là. Alors je sais pas s'il a planté. Ah non il est là. Alors je sais pas s'il a planté. Ça m'arrive très souvent ici dans l'arrière, ça me menace un peu les pommes. Si si. Ouais, non, je vais faire un peu mal. C'est trop bien ça. Ouais, c'est plus chaud. Un peu de ça. C'est pas trop de ça, non. Ok, on lui a pas de ça. Hein. Ah, c'est fini, petit bandit de 5 de trou là. Ah, il y a un bon à la chose, hein. Ah, j'ai pas eu à droite, mais en fait, j'ai fait énormément de dégâts, j'ai pas fait gaffe. En fait, dans ce mode là, on peut pas faire attention partout, vu qu'il y a des bouchons qui arrivent de nulle part. Ah, c'est pas comment. Parce que celui qui est très content, il va y voir, il est bien vu. Dès qu'il met des troupes, regarde, on peut pas être sur lui. Il manque assez de troupes, mais on va. On va profiter du sort de rage qui reste, on va le déployer. Donc ça fait énormément de dégâts, on est sorti de la mourir. Allez, je vais pas le bouger. Voilà. Regardez ça, à droite. On va me frapper, on va terminer ça. Hop. Voilà, on est défait ici. Il avait complètement laissé faire de l'autre côté. Il a bien attaqué de premier point, mais c'est tout. Il a pas fait plus. On va aller faire ça. Hein. On dirait que j'ai bien enchaîné les victoires, hein. Et ça c'est super. Allez, un petit coffre. On va faire une petite vidéo, je crois. J'ai pas envie de tryhard à monter en level. En plus, j'ai envie, mais je préfère bien farmer, comme ça, moi je peux facilement avoir mes cartes au maximum. Et ça évite de perdre des trophées inutilement. Ouais. Ça sert à rien de tryhard quand on n'a pas encore niveau. Oh là. Très bien, très bien, très bien. Oula, allez hop. Oh bah, j'ai même pas bougé. Hein. J'ai même pas bougé déjà. Bon bah, allez, c'est pas grave.
vie. Bon, allez, heureusement qu'on est à l'intérieur, ça nous arrange les choses. Attention, touche-toi. Bon, allez, vas-y, d'accord, je me touche. C'est bien mal à Muscotaire. Hein. Vous l'avez bien vu, Muscotaire, on sous-estime l'extrême en fait. J'ai perdu ça, par contre, c'est un zap. Dégage. Ah, pardon, les contre-arts, c'est quoi, il est bien ici, là. Oula, oulala, mon petit flash. Ah, il a pas de perte sortie, là. Ah, il a pas de perte, là. Ah, il est il a mis le record. Ah bah malheureusement c'est pas passé pour lui. Ah il a essayé de tenter un exercice là. Il attaque fort lui. Il s'en sortit là. Attends lui. Ah il est fort. C'est bon, j'ai pas de l'avantage il m'a. Il attaque fort mais c'est un petit peu. C'est un peu compliqué ce qu'il dit. Parce qu'en fait, il attaque très fort, mais en même temps j'ai fait des dégâts sans prendre compte en fait. C'est un peu paradoxal. Ah bah là j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui fait faire. Mini Muscotaire, deuxième. Hop, c'est fini. Ah on dirait pas comme ça en fait. J'ai l'impression que je prends cher, mais finalement, bah lui c'est encore plus que moi en fait. J'en ai même pas compte dans ce mode là, c'est incroyable. En fait la ruse du shrub c'est. Je sais pas, il faut vraiment faire attention. Faut vraiment faire attention au niveau. En même temps, faut faire attention à mon tour. Et je rate pas vraiment les tours de la tour d'en face en fait. Et lui je pense que c'est tout l'inverse, il regarde la tour. Que j'ai et il fait pas attention à sa propre tour. On dirait qu'il se laisse faire. C'est un peu bizarre. On va faire un peu. Allez, là c'est bien utile. Le petit canon qui fait bien jouer. Allez, à gauche, allez, différents de points que j'ai infligé. Il a mis 4 troupes. Moi j'ai mis une seule troupe pour défendre. Enfin, 2 troupes plutôt. La différence, hein. C'est pas le nombre qui fait la différence, c'est surtout l'efficacité ou la sécurité. Oula, par contre, c'est pas trop pareil. On va faire la prochaine. Ok, on va mettre ça. Ah bah, il se laisse complètement faire, mec. Merci, à gauche. C'est pas possible. Il se laisse complètement faire, en fait, c'est pas bien. Soit ils ont plus d'éditions, ou soit vraiment ils s'en foutent, en fait. À moins que leur objectif, c'est de passer, c'est pas de gagner, c'est important, pour eux, de gagner du trophée. Quoi. Enfin, pas gagner du trophée, mais. Oh, il y a des gens qui. Oh, le dash. Ça va faire ça. C'est pourri. Ah, il essaie de faire l'autre côté par contre, voilà. Il fait complètement ça. En fait, il défend. Il attaque très fort, mais c'est juste qu'il fait en fait. Et la défense après, il est quoi. C'est exactement ça qui se passe. Il défend ça. C'est ça qui est sûr. Ah, très bien, très bien. Regardez la défense, zéro, incroyable. Il défend pas. À ce niveau-là, quand même. Ah merde, j'ai pas dit la bonne chose que je voulais. Ah, on va donner un parrain. Faites pas ici parfois, laissez faire un peu de choses. Voilà. Ah là, il faut attaquer parfois. Attention. On va donner une heure, comme ça, il sera obligé de taper. Je vais mettre le poison comme ça, s'il va mettre une gelée. Oh, bah parfait. Allez. Oh, il est super, là. Une petite princesse pour finir. Assez loin. L'efficacité du deck, quoi, franchement. Mais c'est pas qu'en en mode, dans ce mode-là qui a l'air efficace. Enfin, je pense que c'est plus quoi, en fait. Je sais pas, c'est bizarre. J'enchaîne les victoires, mais c'est de manière, mais. Mais complètement, ma fille limite aléatoire, quoi. Oula, je crois que c'est malheureux. On va placer des chaussons derrière. Donc on va faire nos max. Ah, très bien, vas-y, vas-y. On va laisser faire le canon pour faire un max. Ah, très bien, on va pas sur le canon. Enfin, si, pour le prochain niveau, c'est tout. Allez, on va faire le collection. Ouh, ça peut faire mal. Faut faire gaffe. Nickel, parfait, parfait.
Alors, pour avoir l'avantage, normalement il devrait le faire. Alors est-ce qu'il va placer encore une... Alors, une autre vague de bûcherons, je sais pas où il va arriver. Je pense qu'il va arriver par la droite. Ok. On va préparer en avance cette défense. Par la droite, ils ne comprennent pas comment c'est comment ce deck fonctionne. Bah maintenant j'ai à peu près la preuve pourquoi il est efficace en fait. En fait il est un peu vite ce deck. Je peux pas prévoir ce deck là en fait. Il est tout le monde nouveau, c'est pas ça qu'on a. C'est un deck qui est puissant. Il sort tout le monde de deck comme ça. On va prendre plusieurs de rien qu'il y a, on va être un poison. Ça va être plus difficile, on va prendre aussi des dégâts. Ah mais c'est très puissant. Ah il est plus de moins faire parce qu'il a aucune chance. Il y a deux côtés, non. C'est nickel. Ah il va venir à moi. Très bien. Très bien. Ah il va me ranger dans la main. On va voir ce que j'ai appuyé. Hop, c'est bon. Au revoir. Bon bah je viens pas une victoire comme ça. Hop, on va encore enchaîner. 3 couronnes. J'ai plus de 3 couronnes en ce moment dans ce mode. C'est super bien pour farmer justement. C'est excellent. C'est vraiment puissant quand même. Je trouve ça un peu rapide de partir. Et c'est... ce qui est bien dans ce mode, c'est que bah, avec ce deck là, personnellement, j'ai jamais de soucis par rapport aux couronnes. Donc là, ça va très très vite. Étant donné que j'ai pas joué depuis longtemps à ce jeu, donc ça peut bien pour moi. Voilà, par contre, j'ai mal passé. Oh! Ah, ça par contre, ça tient rien à faire. Ouh! Deuxième fois, ouais. Ah, c'est super. Ah, ok, d'accord. C'est un deck très très léger. Oh là là, ah par contre si c'est du spam comme ça, ça va être chiant. Je sens un... Oh bah, il faut faire, très bien. Très bien, très bien. Très bien, super. Faire, donc, hein. Voilà. On va faire le mec. On a pris la tour, c'est sûr. Et, c'est ça. Ah non, du coup, il est parti de côté. Ah ben, ça va être obligé. Ok, très bien. Tire, attention, c'est pas lui, tire. Ah, attention. C'est bon, c'est tout. La pire connerie qu'il peut faire, ce mec. Ouais, attends, vu qu'on est trop des princesses, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir un petit poison là, il va rien faire. Alors. Ah non. Je vais essayer de tenter, hein, ça marchera pas. Tant qu'il n'y a pas un sort qui peut contrer tout ça, c'est compliqué. Enchaînement, enchaînement. Allez, on va faire la dernière partie. Ah, je vais de vous prouver que ce deck est efficace dans ce mode. Et même en ladder, même pour gagner des trophées, il est plutôt pas mal. Bon après, je sais qu'il n'est pas très, il est pas évident à obtenir ce deck et avoir tout dans le même niveau. Mais je pense que quand même, que vous pouvez facilement obtenir ce deck. Il y a deux canons, c'est une carte que personne ne demande, donc c'est facile à obtenir. Et même personnellement, je n'ai pas le passe royal, contrairement à certains. Je n'ai pas le passe royal. Donc c'est tout à fait faisable. Ouais, la mousquetaire, quoi. C'est incroyable. Extrêmement puissant. Il faut tout pas nous oublier sur la mousquetaire. Pour 4 élixirs, si vous comptez le sorcier, mais en plus de ça, vous pouvez infliger énormément de dégâts à la tour, si vous êtes content. Je pense que j'ai plus de dégâts que le... Comment ça s'appelle le sorcier. Avec une princesse. J'ai des dégâts 2. Tire. Le sorcier.
Oh non! Ah mince, c'est dommage. Bon, c'est le cas. Double défense. Ah, le bat. Allez, le bûcheron! Bûcheron. Il fait le choix. Il prend de la zone. Très bien. On va laisser parler. Moi, je suis fier. Hop. On va t'autoriser un match. Le match de terre va rester nouveau. La défense. Très bien. On a plus de défense parce qu'il y a pas de rage. Ok, c'est pour lui, c'est pour toi. Ah, j'ai mis un matin. Ah, j'ai mis un matin. J'ai mis un matin. Oh, allez, c'est bon, c'est bon. On va peut-être faire un meilleur poison, ici. Ça va faire mal. Dans les deux temps du cas. Ouh, ça fait très mal ça. Eh, franchement, la rue Bûcheron, je me régale en termes de couronne. Hein. C'est plus de trop de couronne. Ah oui, c'est pas le petit PK qui a fait beaucoup de dégâts. Hein. Non, c'est un petit mineur, un petit princesse, des chauves-souris. Et la combinaison de tout ça, ça fait énormément de dégâts en fait. Mais après ça ne nous explique pas trop le fonctionnement en ladder, donc c'est un petit peu dommage. Sinon je vous fais un petit combat vite fait en ladder, à quoi ça ressemble. Mais voilà, vous avez à peu près un aperçu de mon deck. Donc en espérant que ce vidéo vous a plu et que ça permettra peut-être de vous avancer en trophée, n'hésitez pas à liker, commenter, abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Donc voilà, c'est Nomar Archange et ciao !